En fait, la sérologie, ce que je disais, que je ne crois pas non plus que le pasteur Marcelo pouvait permettre, autoriser ça à sa femme. Moi, le plus important, qu'il a reconnu qu'il a mal fait et qu'il a dit qu'il ne va même plus faire des émissions. Kosa la société, je m'adresse vraiment à toi, mon frère. Kosa la soube, Michel Ndingwanati. Surtout que pense et pas Batou, oh le loba, Oteya, Bakumba prophète et tout ça. Donc, laissez ça derrière. Ah, il y a griffe, mon gars, déjà combo. Donc, battez la combo. Yokoli, mais bana, Bazoya. Bazoya, Pinadoki, battez la combo. Il y a des marques, mon gars, Lessi, Barose, Lessi, Charles, Lessi. Aux hommes de Dieu, arrêtez de prophétiser sur la mort. Le prophétie sur la mort, en fait, ce ne sont pas des prophéties. Ce sont des souhaits. Parce que la mort, c'est la seule chose qui est sûre. Tu ne peux pas prophétiser qu'il y a des milliers de pasteurs. Et la mort peut attraper un enfant, la mort. À moins que tu nous dises que non, le 25, 8e mois, à 10h, il y a une femme qui va mourir. Il y a un homme comme ça qui va mourir. Mais dis c'est moi que je vois mourir. Même que les gens meurent aujourd'hui, même que tu n'es pas malade. Arrêtons ce genre de profession. Le discours, il y a pasteur Marcelo, et puis ton moni à Mopéli. Ouais, maman, quand je suis sanguissi, parce que ça, l'anzambé, n'a pas eu canac. Mais sanguissi, c'est pas une réconciliation. C'est pas une réconciliation. Non. Moi, c'est pas une réconciliation. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Comment ça? J'espère. Pour que ça même exemple, ton moni, au prophète Joël Francis, t'as tout, parce qu'il a solo la tête, là, papa Marcelo. Mais mon moment est derrière, il y a un mani baléli. Moi, je crois, c'est l'humain, c'est ce que j'ai aimé au fait, c'est l'humain. L'humain a fonctionné. Or, ce qu'on a vu là, Bonzamba, c'est l'on dit à moi, en fait. Mais malheureusement, tant que tu as un don spirituel, rendre aux hommes. Ah ouais? Ici, de Romain a pris son pasteur Marcelo à chaque message. Moi, voilà, il y a pardon en fait. T'as connu Monsieur Denis, c'est tout et tout. N'a l'imbécile et puis à Saint-Guy, à l'église Corps de Christ. Balimbécile. Et puis bah ça, mais là, il y a ça plus. N'a besoin de faire la prière. Mais par rapport à voilà, communauté, le but ici, c'est que donc le message à moi, à rédiger à moi, puis là, dans mon thème, on a été et tout analyse. Moi, j'ai connu Maman Blanche pendant 48 ans. N'ayons qu'à mon moment, on a été. Une femme piège. Très calme. Donc, les gens me demandent, mais comment tu peux parler des choses que tu ne maîtrises pas? Je connais les pasteurs Marcelo. Je ne fréquente pas les pasteurs Marcelo. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'attache aux gens par intérêt. Non. Moi, je suis avec les gens parce que ce sont des humains. Et si Dieu permet... Moi, je me suis connecté avec le pasteur Marcelo, c'était divine. C'est une connexion divine. On va en parler tout à l'heure. Voilà. En fait, moi, j'ai croisé le pasteur Marcelo. C'est Dieu qui nous a fait rencontrer, en fait, à travers, par le biais d'un individu, d'une personne. Mais c'était Dieu qui a produit ça. Et puis, quelque chose s'est passé entre moi et le pasteur Marcelo. Et lorsque j'ai été invité à la croisade, le pasteur Marcelo m'a présenté à Maman Blanche. Et quand il m'a présenté à Maman Blanche, mais je t'assure, Nayo comme mon maman Blanche, à Seki Kaka, à Pesimbote, et puis bouche cousine. Alors on va s'imaginer, et puis j'ai encore eu la grâce de suivre sa marraine, leur marraine, une femme hautement spirituelle, au sens où il y a l'émotion de sa fille. Parce qu'elle a pénétré maman pour la maman Blanche, au moins on a eu maman Blanche avec vénération. Les gens qui ont vécu avec Maman Blanche, ils ont vénéré, qu'il était une femme exceptionnelle, une femme qui n'était là que pour son mari et pour ses enfants. Et vous allez dire rien sur la psychologie. Vous allez dire que tout le gars, c'est belo, au fin de la carte, va combien la chevité. Cette femme était extrêmement belle. La manière dont je l'ai vue en Belgique, presque plus de 7 ans passés, c'est la même femme que j'ai toujours vue. Mais moi aussi, j'ai une très belle femme. Je connais Maman Philomène. Peut-être on va être ici sur le plateau. Quand vous voyez Maman Philomène à 18 ans, mais c'est quelque chose d'autre. Connaissant Marcelo, connaissant le pasteur, comment il est rigide dans les enseignements, dans la parole de Dieu. Moi, je préfère avoir conscience à cet homme qu'il n'allait pas tolérer ça. D'accord. Donc, deux, est-ce que la chirurgie est un péché? Tout dépend de comment nous la prenons, en fait. Moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, maman, mon épouse, a fait le premier accouchement césarienne.
comme elle n'était pas bien préparée, il y a des choses qui n'étaient pas bien passées et tout ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais permis même que Akassa les Salibumouana, j'ai toujours eu peur de ça. En fait, je n'ai pas, de Maman Philomène n'a jamais fait ça. En fait, moi, personnellement, conviction, parce que le lobby, personnellement, okay, la Bible n'écrit pas tout. C'est pourquoi la Bible dit et les choses sont semblables. Moi, personnellement, pour moi, la chirurgie peut être péché au moment où on veut le faire pour le plaisir. Mais la chirurgie, ce n'est pas un péché quand on le fait parce qu'on est obligé de le faire. D'accord. Admettons, Ojiki et Longhi, tu as été brûlé, tu as subi un choc et qu'il y a la possibilité qu'on répare ça. Ça, ce n'est pas un péché. Mais si on veut le faire seulement pour le plaisir de le faire, parce que j'ai entendu quelqu'un, non, parce qu'elle voulait elle voulait plaire à son mari. Oh, j'ai vu des femmes qui plaisaient à son mari, c'est Maman Blanche, paix à son âme. Parce que son mari en parlait matin, midi, soir. Bon, si on vous éloge déjà comme ça, vous allez encore chercher à vous faire aimer pour quoi? Maman Blanche, c'est ça, moi, je suis mon bal, mais à qui vous le veillez donc matin, midi, soir. Pourquoi cette femme a eu cet amour à l'égard de son mari? C'est ça. Je connus le pasteur Marcelo par le biais de quelqu'un qui était très proche de moi. D'accord. Et puis qui me parlait de lui. Et puis j'ai commencé aussi à le suivre de temps en temps. Et puis voilà, quand il est venu à Paris, quand il est venu à Paris, et sur Paris ici, c'est là où j'ai eu la grâce de l'écouter, de l'avoir au téléphone. Okay. Alors le jour où je l'ai eu au téléphone, quand je l'ai eu au téléphone directement, le Dieu que nous servons est fidèle. Il m'a ouvert les yeux. Nous avons formulé un message pour la passer ma soeur. Dans le téléphone. Dans le téléphone. Okay. Donc quand je l'ai eu au téléphone, on s'est échangé, révérend, comment ça va, malamo, comme nous avons formulé. C'était 2016-2017. D'accord. 2016-2017. Je crois que c'est 2017. 2016-2017. Donc, quand je lui ai au téléphone, je sais que le pasteur Marcelo est devenu aujourd'hui. Moi, je l'avais déjà vu. Okay. Je lui ai dit directement, j'ai dit, révérend, Dieu m'a dit, tu veux commencer les églises à Paris, mais ne les commence pas. Si tu commences les églises à Paris, tu vas arrêter la source. Travaille avec les gens et rentre au pays. Dieu me dit, il ne te donne pas Paris. Il ne te donne pas l'Europe. Il te donne le monde. Dieu te donnera le monde. Et les gens vont te suivre partout. Après, j'ai ajouté ça à Lingala. Incroyable. Et directement, il a été sensible. Et il a dit, waouh, tu es vraiment prophète. Les choses que tu me dis, ce sont les choses que Dieu vient de me dire dans ma chambre d'hôtel. C'est comme ça qu'il vous a répondu. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Il dit, Dieu te visitera à coup sûr. Dieu te redonnera ta dignité et l'avenir. Dieu va t'étonner comme il a étonné Jairus. Alors, bonne nouvelle, encore une fois, la montagne de la prière ministrise à Paris. Grande veillée de prière à la montagne de la prière Paris de 22h à l'aube. Ce vendredi 28 juin 2024, venez nombreux. Le thème c'est combattre les forces de la vie. Oh my God, je veux que tu sois là parce que quelque chose va se passer. Jacob a combattu toute la nuit et le matin, il est devenu Israël. Tu deviendras Israël après cette veillée. Nous vous attendons. L'entrée est gratuite. Nous le répétons, l'entrée est gratuite. Avec Jésus, c'est toujours possible. N'est-ce pas? Yes. Problème de peau, problème de digestion et vous avez du mal à dormir. Bienvenue chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Je me présente Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté et votre architecte par excellence. Chez Grâce Beauté, notre vision c'est de vous aider à vous réconcilier avec vous-même. On vous propose des soins personnalisés, oui, puisque vous êtes unique, votre bien-être aussi. On travaille sur trois énergies.
Vous avez les skincare pour la peau, vous avez le côté holistique pour l'intérieur, pour refléter la beauté de l'extérieur. Oui, la beauté se conjugue avec notre bien-être de l'intérieur. Voilà, vous avez aussi l'Institut Grâce Beauté Mobile qui se déplace à votre domicile pour vous procurer des soins sur mesure tels que les soins de visage, les soins anti-vergeture et votre bien-être et à notre service. On vous dit à très bientôt chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Maman Rit, vous sentez le tabac? Chez maman Hélène qui soigne. Partout aux arènes de Hélène. On a Savini, on a Wap, on a Posorolia, du tabac fraîche, boué. On goule, démarrer voiture, on va la mort. Et pas maman Hélène qui soigne. Olia est assurée. Na primu kie olie ki toko. Kala wanga ni na olie anta bo sa ti. Ba o tumba même temps ozo lia propriété maramu tu ki toko. Mama Hélène te sue ma suki kana mambo banta ba bo ete hotel. Ape na service traiteur. Wana fête. Wana o cérémonie mon peu importe baptême nios. Aza service traiteur moko. Mota la wanga moko na olie bo bo moni de quoi mbisi ki toko. Amen. Ya Maman, bonnie, c'est quoi nos animaux? C'est son mal qui tombe. La coquille? En plus, il y a aussi un cangue, un batamelin, un batasavini, trois joueurs à rapanaïo. Tu vas me contacter na 07 53 82 87 72. Chez maman Hélène Kiswemi, Nazana Damari Lelis, 456 avenue du colonel Fabien. Référence Nabiche Zali, Renault Mosquée. Nazan, okay. Tout près à gare, 12 minutes dans ma colonne. D'accord. Gare à Mélène. Je suis un restaurant. Donc à partir il y a 70 euros na banda qu'on a livré. Voilà, pour même surtout lire en tout cas, on y a chez maman elle qui suit mon mari. Donc vous avez décidé. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. On laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, ntaba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret. Le secret du paradis, avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Ma maman, il y a valeur, ma maman kilo. Mais c'est lui non, on a cuisine et propre, il faut que banzou et ça la propre et qualité. Banzou va propre et qualité à ma casse et bien. Et ça a adresse mon corps. Vous contacter la maison Zoé. Précis le lien encore à aider ce numéro la maison Zoé et ça. La maison Zoé Anna. Banzou nous y a kitoko. Donc, vous contactez Maison Zoé. La Maison Zoé, en tout cas,
n'habite rien à dire. Côté Banzou, à Kanima Solo, on a partout. Et tout ça, on a fait une livraison. On a en Belgique, en Suisse, partout en France. Nous, et comment nous, la qualité, vous pouvez vous attirer à moi. Mon nom, il y en a l'eau. Oh, toi, la couleur peut ébeller. Toi, la bleue, toi, la rouge, toi, la noire, les tiens là, vous voyez. Mon nom, il y a quatre Nzou. La trois, bah. Par Kaloboy. Donc, contactez la maison Zoé. Tout le monde qui a besoin de casseroles en très très bonne qualité, contactez la maison Zoé. Après, par moment, kilo, par moment, 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 en tout cas, après cette commande, il n'y a pas hésiter de contacter la maison Zoé. Numéro de Zana, vous avez un numéro de téléphone rapide, opérationnel. Bienvenue sur Elengia Congo, c'est la votre Glodie Diasuka, la mignonne de la presse, toujours dans les cadres de vous informer, de vous satisfaire. Je sais que c'est dimanche. Bon dimanche, bon week-end à vous tous, Nabanda Bozo Landabiso. Et voilà pourquoi je suis encore devant vous. Je ne suis pas seule, je suis avec l'homme de Dieu, toujours dans les cadres de vous bénir aussi. Comme c'est le week-end, c'est le dimanche, Nabanda Kou, et Tomé Kako Solola, Tomé Kako Partagé, et da Papa Nabiso, Samuel Panzou. En tout cas, là, j'en profite de saluer maman Philo Panzou et les enfants. Et des gros bisous à vous pour l'adoption d'Andaku. Merci, je vois merveille et tout le monde, tous les enfants. Et puis, pourquoi pas, Bandiminion sort à la montagne de la prière. En tout cas, bonjour à vous. Place pour l'Andaku. Vous êtes partout. D'abord, tout ça, parce que ce n'est pas tout ça, parce qu'il y a un groupe. En tout cas, parce que voilà, d'abord, je suis papa Samuel Pandou. Merci à maman Philomène parce qu'elle va super nous abîmer. Donc, t'as la carte ouverte. Paris, l'église est belle, mais abîmer notre commoya. Kosangana, Novotel, Noisy, les grands adresses, Zaka, Moko, la montagne de la prière. Vraiment, t'as béni nous avec Ponaengo. Merci à Tristan Belenga Pro derrière la caméra pour ces belles images. Et merci à Batutu, à soutenir Rabisso, Batutu, Olini, vraiment message à papa Samuel Pans. Non, cet homme de Dieu, c'est vraiment, il est vraiment, il est un vrai homme de Dieu. En tout cas, maman Glodie, continue, continue toujours dans ma émission, continue toujours au lobby ça. Papa, oui, papa, Zolo, papa, moi, m'inquiète, mais tout le monde, maman Glodie, Zolo, ça est, moi, m'inquiète. Vraiment, sans plus tarder, je vais déjà saluer mon invité. Bonjour, pasteur, prophète. Papa, bonjour. Samuel Panzou. Bonjour, maman. Ça va? Très bien, maman. Merci. Nzamba Obatela Biso. Dieu nous protège. Merci beaucoup. Ah, mais j'aimerais bien commencer par la prière des Katobanda. Nous voulons prier. Et je profite d'abord pour dire aussi un grand merci à papa Tracy Melenga Pro pour son professionnalisme et surtout. La vision du travail qu'il a, ça me plaît beaucoup. Okay. Et je bénis aussi maman Glodie. J'ai découvert une femme exceptionnelle. Et moi, je crois que vous êtes une source de bénédiction pour beaucoup dans la communauté, malgré que c'est la communauté qui a aussi beaucoup de problèmes. Maman, merci beaucoup aussi, maman. Merci, papa. De nous accepter dans votre émission. Et puis surtout, c'est toujours un privilège de pouvoir communiquer la parole de Dieu. Comme maman l'a dit, on va prier une minute. Seigneur, la Bible déclare, tu as vu ton peuple dans la détresse et tu as envoyé la parole et la parole les a guéris. Seigneur, nous sommes dans la détresse, des événements difficiles à supporter, fâchés, mais nous avons la foi que ta parole est capable, Seigneur, de nous consoler, de nous redresser et de mettre la lumière. Bénis cette émission, Seigneur, des centaines de milliers de personnes qui seront connectées, qui vont nous écouter, Seigneur, des familles qui sont désemparées et qui sont divisées, Seigneur de gloire, nous prions que l'amour y règne. Viens au milieu de nous du début à la fin de cette émission et touche les âmes perdues pour la gloire de ton nom. Seigneur, prends contrôle de ce que nous allons partager, Seigneur de gloire. Prends contrôle de maman Glodie et de moi-même, Seigneur, mais aussi de papa Tracy Melenga qui est derrière cette caméra et que l'onction du Saint-Esprit soit communiquée à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Merci papa, ça va? La montagne de la prière. Maintenant on a eu la monnaie, ça va, mais la part on a eu mon coupé, ça va? Ça va, ça marche très bien parce qu'avec Dieu on ne se plaint pas. Bon, comme on le sait que la montagne de la prière a eu beaucoup de chocs.
Mais bon, par la grâce de Dieu, on est debout. D'accord. Et vous voir aussi à la montagne de la prière, pour nous, c'est une source de bénédiction. Voilà. Donc voilà, on dit vraiment tout va bien avec Jésus. Nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Non, parce que puis on fait au moni. Amen. En plus, il y a vraiment du sérieux. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne encore. Bon, qu'il y a Moussika. Je vis même les enfants. Bon, la basoté en tout cas. Amen. Et Dieu fait bisopé ma casse. Surtout dans la bande amitié. Il faut que le sabbat soit toujours dans le sambo. Que la sabbat soit dans le surtout, c'est pas facile. Hein? Amen. Amen. Très, très et liberté, ça mais les enfants sont vraiment dans ma colonne zambé. En tout cas, impliqués dans la prière. C'est très bien. Amen. Voilà, papa, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de beaucoup de sujets. Où ils ont s'est passé sur la toile concernant ma femme Tali prophétie et surtout et je sais que même maman la bas téléphone a pourquoi quitté la disparition il y a maman la biseau blanche il y a moi néné la tragédie et comme elle a qui notre pasteur Marcelo par rapport il y a wana peine on peut nous yon a plateau t'es pour notre mais quand on le bilangos vous avez un mot à dire par rapport à la mort de maman blanche Tounassi ou à tika biseau déjà appelé à son âme. Maman, c'est vraiment difficile, au fait, c'est très difficile, maman. Il n'y a pas de mots, hein. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de verbes, il n'y a pas de conjugaisons. Il n'y a pas une langue pour expliquer, au fait, cette tragédie, comme vous venez de le dire. C'est vraiment une tragédie. Surtout que moi, personnellement, j'ai eu le privilège de connaître Maman Blanche pendant 48 heures. C'est ce que je fais dans la vidéo. Je t'assure, maman, que malobésaté. En fait, comme j'avais dit dans mon intervention, que maman Philomène, quand elle a entendu cette information, elle s'effondrait. Il fallait vraiment qu'on l'arrête. J'ai dit, crier au fait, vraiment, attention, fais gaffe, que sois calme, sois calme. Ouais. Après, elle s'est ressaisie. Elle n'était pas en elle, quoi. Parce qu'au fait, c'est une nouvelle que vous n'entendez pas, que vous ne voulez même pas, même si au yoki ango zone dimaté, au lingipe qu'on dimaté que yango quoi, c'est un choc, c'est un choc. Et c'est ce qui même qui a fait que moi, je n'ai pas pu faire ne fût-ce que les condoléances sur le Facebook et tout ça, je n'ai pas pu. J'ai attendu vraiment après l'enterrement de pouvoir m'exprimer. Maman, il n'y a pas de mots parce que c'est un être humain très cher, une maman, une épouse, une servante de Dieu qui est incontournable, qui était incontournable dans un puissant ministère comme celui de Marcelo. Il faut admettre que Marcelo, je ne flatte pas, je ne suis pas un flatteur. Donc, c'est. Les gens comme Marcelo, ils ne sortent pas tout le temps, en fait. Vous verrez encore un autre Marcelo, peut-être dans une autre génération. Parce que Dieu ne va pas susciter des gens comme Marcelo dans toute génération. Chaque génération, dans cette génération, quelqu'un va encore sortir comme Marcelo. Non, ce sont des phénomènes. Voilà. Et c'était quoi la motivation? Parce qu'on a suivi votre intervention, c'était hier ou avant-hier. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour intervenir? La motivation est basée sur la tragédie de notre communauté Maman Glody, qui est devenue... Je ne sais même pas de définition. Je suis Mukongo, je suis Bakongo, et comme on le sait, donc nous sommes une famille. Voilà, on est Congo C, Congo K, mais on est pareil. Na komisote que ya na mutu mokote, ya na Mukongo mokote za Angola, o famille za na kinité. Bakongo mingo ba na kin, ba ba famille Angola, ba na famille na Congo Brazzaville. En fait, on est une famille. Okay. Et malheureusement, culture na biso, on a la même culture. Et on a même du mal, il y a ignorer qu'il tire Nabisso, même si on se retrouve à l'étranger. Okay. Même en Angola, on est beaucoup plus rattaché à qu'il tire na Congo Kinshasa plutôt que à qu'il tire Angola. Parce que le qu'il tire Congo, la qu'il tire Nabisso Congo, il a beaucoup plus valorisé dans Ngambo, il y a Congo Kinshasa. Okay. C'est pourquoi Bisso nous sommes à Congo Brazza, nous sommes à Congo Angola. On est beaucoup plus regardant envers. En fait, c'est une communauté qui est devenu tellement insupportable. D'accord. Mais ce n'est pas aujourd'hui que j'en parle. Comment on peut inciter les morts? Comment on peut parler? Comment on peut se mettre? En fait, des gens sont devenus plus bas que les animaux. Parce que devant la mort, on s'incline tous, maman. Okay. On dit même quand il y a la maladie, on oublie le problème. Mais la mort, Moutakoufi, et les gens incitent la mort. Ils inventent des théories qui n'ont ni tête ni quai. Donc, c'est en fait, ça.
Surtout la mort de maman Blanche, elle lobby si maintenant va te bêler, il faut savoir intervention. C'est la jalousie en fait. Non, c'est la jalousie. La jalousie mal placée de nous les Congolais. Okay. Donc, la jalousie mal placée. Et cette jalousie, tu vas le trouver en Angola, entre nous, Tolingana Raté. On préfère même que étranger Azalanae bien plutôt que Yo Ndekonae Azalabien. Je l'ai dit, je le répète ici. Que si tu remarques le Congo partout, ils sont, que ce soit Congo-Kinshasa, que ce soit Congo-Brazzaville, que ce soit en Angola, qui est Angola, mais beaucoup, nous sommes des Bakongo là-bas, on n'est pas au pouvoir, on n'arrive pas à nous unir. Les trois grands partis qui ont fondé, qui ont combattu pour l'indépendance de l'Angola, c'était l'FNLA, l'UMPLA et l'UNITA. Et laisse-moi te dire, maman, que le parti le plus puissant était notre parti des Bakongo, dont Ordain Obeto était le président. Le parti FNLA, c'était le parti qui était plus puissant que l'UNITA, plus puissant que l'UMPLA. Mais après l'indépendance, l'UMPLA s'est accaparé du pouvoir. Et puis, après 40 ans, 50 ans, même pas 50 ans, après, je crois, 10 ans, 20 ans, notre parti des Bakongo a disparu jusqu'à aujourd'hui parce qu'on est des traîtres facilement. On se trahit facilement. L'UNITA, malgré même la mort, il y a Savimbi qui était un leader charismatique pendant presque 3 décennies à Koufi, mais un peu là, ils ont détruit l'UNITA. Parce que c'est le peuple, c'est un peuple loyal, c'est un peuple fidèle à ses valeurs. Nous, on n'a pas ça, en fait. D'accord, papa. Parlons un peu par rapport au sujet qui n'a un réseau, par rapport à l'Iloi et à Maman Blanche, par rapport à la mort de Maman Blanche, par rapport à Nyonsu et Lobami. Est-ce que les acquis importants, ceux qui m'ont dit Tiki Bisso, faut qu'on le croyait, bah, Koufi Lengenini. Non, le problème ce n'est pas Koloba, le problème ce n'est pas parler, mais on parle de quoi? D'accord. Est-ce qu'on va répandre des rumeurs pour salir? C'est ça. Et puis, je dis, je répète encore, même Nzambe pour Nabi qui s'habille sur Mutu. Tout le monde a ma spiritualité. Parce que même Nzambe, je crois que tu es un Nabi qui s'habille. Pourquoi Satan a dit que ça lui sautait? Pourquoi Satan a dit que ça lui sautait? Mais nous avons dit que nous avons dit plus na ki lui sautait. Nous avons dit que plus na ki bon moto. Pour même nous avons dit que ça lui sautait. Donc, nous, on a perdu l'humanisme. On a perdu l'humanisme, en fait. Parce que Satan ne peut pas nous sauver parce qu'il reste. Un esprit n'a pas de sentiments. Un esprit n'a pas d'émotion. Un esprit, c'est la raison, c'est la conscience. Donc, c'est même pas. En fait, l'esprit n'a pas de sentiments, n'a pas d'émotions. L'esprit n'a pas le sang. C'est pourquoi toutes les personnes qui sont mauvaises, ils sont dans l'esprit. Je l'ai dit et je le répète ici que Satan, il peut facilement trafiquer, photocopier les dons spirituels, mais pas les fruits spirituels. Parce que la nature divine, ils en a qui bon moto, ils en a pas dompté, ils en a pas fruit de l'esprit. Au coup, même dans ma païen, au bazar, dans mon lit, mon ensemble était, mais bazar, dans ma fruit. Parce que dans chaque moutou humain, il y a une portion, il y a un zambé katinaï. D'accord. Dans chaque humain, il y a une portion de Dieu. Donc la divinité de Dieu ne se manifeste pas à travers les dons spirituels, guérison, délivrance et tout ça, se manifeste à travers l'amour, la fidélité, la compassion. Et c'est ça qui a disparu, le respect, la honte. La honte, c'est une barrière, la honte, la peur. Sonia Longwa, la communauté. Non, mais pourquoi Dieu a mis la honte en nous? La honte, c'est quelque chose qui m'empêche de faire certaines choses. Je ne le fais pas parce que nous sommes comme Maman Glody Sonia. Maman Glody a eu Bilnaboui. Mon fils, Preston, c'est comme mon nassal. Non, ça, la honte est pour nous embêter, mais non, ça, la honte pour Preston. Donc, je serais mal que Preston a eu avec papa à Sali Matamboui. En fait, la honte est divine, pardon. La peur est divine. Dieu a mis la peur, a intégré dans notre fonctionnement la peur, la honte. Les gens au Congo, les gens partout, nous les Mangalafones, on n'a plus la peur, on n'a plus la honte, on n'a plus la compassion, mais nous prêchons. Nous nous appelons prophètes, pasteurs, mais il n'y a pas la compassion, il n'y a pas la honte, il n'y a pas la peur. Tu vas inciter un mort, tu vas inciter une maman. Critiquer même. Premièrement, ma bataille, ma opération. Mais j'en ai parlé. Oui. Moi, j'ai connu Maman Blanche pendant 48 ans. N'ayoka Mongo, on a été. Ok. Une femme piège. Très calme. Donc,
Les gens me demandent, mais comment tu peux parler des choses que tu ne maîtrises pas? Je connais les passés Marcelo. Je ne fréquente pas les passés Marcelo. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'attache aux gens par intérêt. Non. Moi, je suis avec les gens parce que ce sont des humains. Et si Dieu permet... Moi, je me suis connecté avec le passé Marcelo, c'était divine. C'était une connexion divine. On va en parler tout à l'heure. Voilà. En fait, moi, j'ai croisé le passé Marcelo. C'est Dieu qui nous a fait rencontrer, en fait. À travers, par le biais d'un individu, d'une personne. Mais c'était Dieu qui a produit ça. Et puis, quelque chose s'est passé entre moi et le passé Marcelo. Et lorsque j'ai été invité à la croisade, le passé Marcelo m'a présenté à Maman Blanche. D'accord. Et quand il m'a présenté à Maman Blanche, je t'assure, Nayo comme mon mama blanche, à Seki Kaka, à Pesimbote, et puis Bouche Kouzi. Alors on va s'imaginer, et puis j'ai encore eu la grâce de suivre sa marraine, leur marraine, une femme hautement spirituelle, au sens où il y a l'émotion de sa fille, parce que Kazaki Penet, une maman pour la maman blanche, au moins on a une maman blanche avec vénération. Les gens qui ont vécu avec Maman Blanche, ils ont vénéré, ils était une femme exceptionnelle, une femme qui n'était là que pour son mari et pour ses enfants. Et vous allez dire que ça, la chirurgie, vous allez dire que tout le monde est belle, vous allez dire que tout le monde est belle, cette femme était extrêmement belle. A changé. La manière dont je l'ai vu en Belgique, presque plus de 7 ans passés, c'est la même femme que j'ai toujours vue. Parce que si après accouchement, peut-être fallait moi. Mais moi aussi, j'ai une très belle femme. Je connais Maman Philomène, peut-être on va être ici sur le plateau. Quand vous voyez Maman Philomène à 18 ans, mais c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est vrai, Maman Philomène a pris quelques poids, mais il y a des habits que Maman Philomène a portés quand il avait 20 ans, 19 ans, elle porte encore aujourd'hui. Et ça, bien, maman, je suis sur le bal boussa en Zambé, bien, maman, je suis sur le lata. Malgré comme il a 4 banabana bakoul, mais bien, maman, je suis sur le lata, et lundi, et penzoto. Donc, voilà. Donc, au fait, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Les gens n'aiment pas tout ce qui brille. Et puis, on sait comment Marcelo parlait de sa femme. Il aimait beaucoup sa femme. Au fait, le problème est à Wana. Parce que beaucoup de femmes souffrent à carence et amour. De maman pasteur qui sont devenus aujourd'hui des païennes, qui ont divorcé, et qui insultent aussi Maman Blanche, parce qu'ils sont aigris. Donc ce qu'elles n'ont pas vécu, c'est ce que Blanche a toujours vécu. Parce que Marcelo, c'est le pasteur qui a l'aura plus que nous tous ici dans la France. Ah, vous le reconnaissez, c'est bien. Oh, parce que le comarac, non, il était, il y a ça. Moi, je suis fier de... Et puis, je suis quelqu'un qui aime le succès des autres. Toute ma vie, j'ai vécu pour les autres. Toute ma vie, j'ai vécu pour les autres, même dans le ministère. C'est très bien, papa Panzo. Mais toujours, moi, c'est mon kiff. Chirurgien, moi, faire chirurgien, on joue ça, la paix, et tout le monde, mais ils ont le bama trop. C'est un péché? Personnellement, moi, les gens veulent toujours. Déjà, moi, personnellement, mon témoignage intérieur, je bénis le pasteur Marcelo. Je crois que je ferai tout mon possible de le voir et de présenter mes condoléances si Dieu le veut. S'il faut même que je voyage au Congo, je ferai ce voyage parce que je ne voulais pas aller. Pendant que tout le monde. D'accord. Bon, comme ah, bah, la lumière. Voilà, je connais le passé Marcel pas aujourd'hui. Même les photos que nous avons fait sa première croisade en Belgique, je n'ai jamais publié. Donc, pour dire que, dans le cas BST, dans le cas s'accrocher, dans la gloire, il y a Nikonangate. Mais, en tout cas, je réitère mes condoléances. La chirurgie. Ce que je disais, que je ne crois pas non plus que le pasteur Marcelo pouvait permettre autoriser ça à sa femme. Connaissant Marcelo, connaissant le pasteur, comment il est rigide dans les enseignements, dans la parole de Dieu, moi je préfère avoir conscience à cet homme qu'il n'allait pas tolérer ça. D'accord. Donc, deux, est-ce que la chirurgie était un péché? Tout dépend de comment nous la prenons, en fait. Moi, personnellement, jusqu'aujourd'hui, maman, mon épouse, a fait le premier accouchement césarien. Comme elle n'était pas bien préparée, il y a des choses qui n'étaient pas bien passées et tout ça. Donc, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais permis même que...
j'ai toujours eu peur de ça. En fait, je n'ai pas. Donc, maman Philomène n'a jamais fait ça. En fait, moi, personnellement, conviction, parce que le comment quand que maman wap. Personnellement. Là, il y a lobby. Okay, la Bible n'écrit pas tout. C'est pourquoi la Bible dit et les choses sont semblables. Moi, personnellement, pour moi, la chirurgie peut être péché au moment où on veut le faire pour le plaisir. D'accord. Mais la chirurgie, ce n'est pas un péché quand on le fait parce qu'on est obligé de le faire. D'accord. Admettons, Ojiki et Longhi, tu as été brûlé, tu as subi un choc et qu'il y a la possibilité qu'on répare ça. Ça, ce n'est pas un péché. Mais si on veut le faire seulement pour le plaisir de le faire, parce que j'ai entendu quelqu'un, non, parce qu'elle voulait... elle voulait plaire à son mari. Oh, s'il y avait des femmes qui plaisaient à son mari, c'est Maman Blanche, paix à son âme. Parce que son mari en parlait matin, midi, soir. Bon, si on vous éloge déjà comme ça, vous allez encore chercher à vous faire aimer pour quoi? Maman Blanche, c'est ça, moi, je suis mon père, mais que vous le veillez donc matin, midi, soir. Même la chair. En fait, Maman Blanche, n'était Maman B. Pourquoi cette femme a eu cet amour à l'égard de son mari? C'est ça. Pourquoi son mari parle? En fait, bon, je ne vais pas trop mélanger ici. Moi, je parle beaucoup de ma femme. D'accord. Beaucoup de ma femme. Dans mes prédications, je parle beaucoup de ma femme. En fait, c'est la jalousie qui fait parler ces gens. La chirurgie est péché quand on le fait seulement pour le plaisir de le faire. D'accord. Et moi, je crois que si il faut le faire parce qu'on veut se réparer un pied qui a été cassé, on veut se réparer un ventre qui a été abîmé, on veut se réparer un visage qui a été abîmé, pourquoi vous allez les soumettre? Parce que Dieu peut passer par le médecin pour pouvoir nous améliorer. C'est comme si, voilà, au boucan, il va pas opérer. Mais quand maintenant, c'est pour le plaisir, comme le bâtiment, parce qu'on a un comme ma belle. Mais il était belle et son mari l'aimait. C'est même qu'on lit, oh, la Bible dit, l'excès de table est un péché. Voilà ma réponse par rapport à la chirurgie. Et cause, ça peut être un péché si on le fait par plaisir. D'accord. Mais ce n'est pas un péché si on le fait. Parce qu'on est handicapé quelque part, on doit réparer quelque chose. Donc, ce n'est pas un péché. Très bien. Merci beaucoup. Ça continue. Restez toujours branchés sur Elengia Congo. On est vraiment en collaboration avec l'église, la montagne de la prière. On a mis en place. Nicolas, on a commis calme. On a appelé à papa. Voilà. On continue, papa. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce que l'Obama, je ne sais pas ce qu'il y a étant qu'un homme de Dieu pouvait nous le dire. Il y a aussi des pasteurs qui sont dans ma loge, dans mon lit. Il y en a ou bon, bien? Sincèrement, maman, je ne peux pas dire non. D'accord. Mais je ne peux pas dire ici que les pasteurs sont dans les loges. Mais je suis convaincu, à la lumière des choses comme se passent et à la lumière de la parole. Donc, en tout cas, je crois que beaucoup. Mais malheureusement, nous sommes tous accusés. Donc, qu'est-ce que le diable fait? En fait, le diable crée un méli-mélo, un mélange. Le bien devenu faux, le faux est devenu bien, et tout ça. Le bien devenu faux, le faux est devenu bien. En fait, aujourd'hui, Satan a créé l'homme au bout. Nous sommes habillés, nous sommes malades. Donc, nous sommes faux pasteurs, nous sommes faux prophètes, nous sommes faux. Pourquoi ça? C'est parce que. C'est tout ça. Pourquoi ça? C'est parce que le diable veut créer une cacophonie, au fait. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a vraiment des gens qui ne sont plus vraiment connectés avec la source divine. Donc, je suis convaincu vraiment qu'ils ont un bateau au lolo. Baza vraiment la carte. Il y a pas ma kambouana. Mais ça, ce n'est pas mon message, au fait. Parce que, est-ce qu'on peut servir quand même Dieu en même temps? Malheureusement. 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 L'être humain est capable de tout. Je suis en train d'inviter les gens de participer à la veille de prière ce vendredi déjà, de 22h, l'entrée gratuite. Et puis chaque mercredi à l'école de prophètes. Okay. Il faut savoir si, maman, Dieu est mystérieux. Nous avons utilisé un mot de Balaam, Agindoki. C'était un devin. Mais à mon avis, je suis en Zambie. À l'obé, là, puis je suis en Agindoki. Dieu a utilisé Balaam, mais Balaam est resté devin. L'onction de Dieu est tombée sur Balaam.
parce que Balak ne pouvait pas écouter quelqu'un d'autre en dehors de Balaam. Alors Dieu est passé par Balaam, mais Balaam n'a jamais été prophète. C'est pourquoi la Bible déclare que à la fin, il n'alla plus après les enchantements. Quand Balaam dit à Balak que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël, c'est parce que lui, il mentait à Balak que je vais aller chercher Dieu, mais il allait chercher les enchantements, mais Dieu le bloquait. Dieu a appelé Nebuchadnezzar mon serviteur. Dieu a réveillé Cyrus. Donc, Dieu peut aussi passer par quelqu'un qui n'est pas du tout un serviteur de Dieu. D'accord. Et à combien plus forte de raison, la Bible dit que les diables se déguisent aussi en anges de lumière. Ils peuvent parler de la part du Seigneur. Il y a des gens qui peuvent même faire des miracles, mais ils n'ont pas, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ouais. Comme moi et toi, la Bible déclare que parce que nous avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et Dieu a envoyé dans notre esprit l'esprit de son Fils par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc on peut seulement appeler Papa, Dieu notre Père, si le Saint-Esprit est en nous, mais pas si le Saint-Esprit est sur nous. Parce que le Saint-Esprit peut être sur toi, mais pas en toi. Parce que Dieu peut nous changer seulement quand il est en nous, mais pas quand il est sur nous. Dieu peut être sur toi, mais il n'est pas en toi. Le Dieu qui est sur toi, c'est un Dieu qui ne peut pas te changer. Mais le Dieu qui change, c'est le Dieu qui est en toi. C'est pourquoi il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Donc, on peut être un Balaam, toujours ça la paix miracle, mais nous avons quatre nabisotés. Nous avons changé, nous avons quatre. Mais nous avons eu les bandes, nous avons eu Balaam, nous avons eu Cyrus. La Bible dit que Dieu réveilla l'esprit de Cyrus pour rebâtir, pour l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, pour rebâtir le temple. Nous avons eu l'amour de l'esprit à Cyrus. Mais Cyrus a quoi Abba, Père était. C'est pourquoi Jésus dit dans le Matthieu 7 que beaucoup en ces jours-là me diront, nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Mais je leur dirai, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que miracle ezali assurance te que toujours celle lanza. Le miracle ne veut pas dire que nous avons l'assurance que nous avons Dieu avec nous. Parce que on peut, Jésus parle à ceux-là qui font le miracle, qui prophétisent. Je reviens encore que la meilleure façon de témoigner de sur terre, c'est être humain, être loyal, être fidèle, aimer les autres, avoir la compassion. C'est ça au fait. La meilleure façon, c'est ce que le diable ne peut pas imiter. Au début, Moutou Oyo, Azana Lokuta, Akokosan, Akobatama. Mais un jour, vous découvrez que Amoutalou. Très bien. Merci beaucoup. Ça continue, papa. Par rapport à tout ce qui s'est passé concernant l'Iwaye et Maman Blanche, et tout le monde qui, papa, et tout le monsieur Denis Lessi, par rapport au Nyo Seleka, qui n'a pas de propos, qui n'a pas de deuil. Et par après, avec le Singabolimbi, ici, il y a un peu sur Pasteur Marcelo, à chaque message, il y a pardon en fait. Il y a monsieur Denis Lessi et tout et tout, dans l'imbissi, et puis à Singi, dans l'église Corps de Christ, et puis à Sambe, il y a plus dans la prison, puis il y a prière. Mais par rapport à Wana, et communauté le bille sous ce que le message en haut a rédigé en haut puis là dans mon thème on a été et tout analyse que ça la parole. Bon, le problème est que la pardon demandé là nous nous voulons toujours chercher la petite bête en fait. Bon, moi déjà je salue maman Chantal Lessi, je salue les enfants à tout qui est aujourd'hui prophète David, bah Nissa. Famille, ah là c'est la famille Lessi. La famille Banaya Vie Charles. En fait la famille Lessi, c'est déjà un grand nom au Congo aussi. Oui. La famille Lessi, c'est déjà aussi un patrimoine. Moi, ce que je peux seulement dire à mon frère, Denis Lessi, abattre le patrimoine à Congo. Abattre le patrimoine à Congo. Pour Congo, il y a Lessi, et il y a peut-être déjà Congo à Congo. Parce que le vieux père à son âme, moi, j'ai eu la grâce. Il y a un vieux, à Milan, à maman Chantal. Je respecte beaucoup. C'est le vieux Charles qui m'avait invité en 2000 au Congo. Donc, il y a une famille Lessi. Très bien. Moi, ce que je peux dire tout simplement, que mon frère a ses récisives. Il y a des combos à Lessi. Il y a des gens surtout. Et surtout, à tout le lot, c'est un grand prédicateur. Donc, abattez la combo à Lessi. Et au ça, la peine bien mingi.
Et puis, c'est que l'homme de Dieu Marcelo a écrit déjà, a écrit en haut. Ah, comment on a A, B, mais a concédé par Dieu. Bien, messieurs, délilez, falacha prophète. Tout comme ça, déjà, que nous sommes, mais à lui que non, messieurs, délilez, c'est Père Sengelier, que Bakba Lingaye, c'est Asarado. C'est ce qui importe, le message, peu importe, je crois, Ndenga Pomeliango, mais ce qui est plus important, c'est que le pardon a été accepté. Voilà. Mais moi, je peux dire tout simplement à mon frère Denis que, en tout cas, Kumba va laisser ça de Kumbo na Congo. Parce qu'il avait vraiment choqué. Ça Kumbo déjà. Na Congo laisse, il y a quand même Kumbo. Il y a une connitude. Voilà. De abattre le patrimoine, voilà. Pour les appeler à Nissa, Tania, ils ont On se ressaisir au lobby la forme Nina se ressaisir. Ben oui, bon, Atika, bon, il a reconnu qu'il a été vraiment trop loin. Voilà, donc il a reconnu qu'il a été trop loin, au fait, qu'il a débordé. Donc, qu'il ne déborde plus. Au fait, qu'il ne déborde plus. Moi, le plus important, qu'il a reconnu qu'il a mal fait et qu'il a dit qu'il ne va même plus faire des émissions. Kossa la Soussouté, je m'adresse vraiment à toi, mon frère, Kossa la Soussouté, Michel Ndingwanati. Hein? Surtout que Panst et pas Batou, oh le loup, Oteya, Bakumba prophète et tout ça. Donc, les César, il y a griffe, il y a des combos. Donc, battez la combo, Yokoli, mais Bana, Bazoya. Bazoya Pinado qui battait la combo en Il y a des marques, Mobo, les Lessi, Barose, Lessi, Charles, Lessi. Vous comprenez? Donc, il y a des combos faites. Un des Konangaï, Lucas peut nous se ressaisir. Très bien, merci beaucoup. On continue. Et par rapport à la relation, on a un pasteur Marcelo, vous avez dit que vous avez prophétisé. Et les Karanengenini, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça il y a longtemps, 8 ans après? Et oui, dans le club, c'est quoi? Ça a son réseau. Au fait, ce n'est même pas, au fait, comme j'ai dit, ce n'est pas ma façon de faire, au fait. Je connais les pasteurs Marcelo par le biais de quelqu'un qui était très proche de moi. D'accord. Et puis qui me parlait de lui. Et puis j'ai commencé aussi à le suivre de temps en temps. Et puis voilà, quand il est venu à Paris, quand il est venu à Paris, et sur Paris ici, c'est là où j'ai eu la grâce de l'écouter, de l'avoir au téléphone. Okay. Alors le jour où je l'ai eu au téléphone, quand je l'ai eu au téléphone directement, le Dieu, Dieu que nous servons est fidèle. Il m'a ouvert les yeux. Nzamba fongolanga misu pour la passer ma sœur. Quand la téléphone. La téléphone. Ok. Donc quand je l'ai au téléphone, on s'est échangé. Révérend, comment ça va? Néné, malamo, Nzamba fongolanga misu. C'était 2016-2017. D'accord. 2016-2017. Je crois que c'est 2017. 2016-2017. Donc quand je l'ai au téléphone, c'est que le passé Marcelo est devenu aujourd'hui. Moi, je l'avais déjà vu. Ok. Je lui ai dit directement. J'ai dit révérend, Dieu m'a dit, ne commence. Tu veux commencer les églises à Paris? Mais ne les commence pas. Si tu commences les églises à Paris, tu vas arrêter la sauce. Travaille avec les gens et rentre au pays. Dieu me dit, il ne te donne pas Paris. Il ne te donne pas l'Europe. Il te donne le monde. Dieu te donnera le monde. Et les gens vont te suivre partout. Après, j'ai ajouté ça à Lingala. Le psyche, Ndekonanga, Nzambe, Arokomiso Lipa. Nous avons pris mon téléphone. Nous avons commencé à lire pas. Au bout d'un moment, on a foulé à battre sur l'endroit un message naïo incroyable. Et directement, il a été sensible. Et il a dit, waouh, tu es vraiment prophète. Les choses que tu me dis, ce sont les choses que Dieu vient de me dire dans ma chambre d'hôtel. C'est comme ça qu'il vous a répondu. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Il dit, je scelle cette prophétie avec une offrande. Okay. Parce que les choses que tu as dites sont vraies. Oh, pourquoi je n'en parle pas? Le passé Marcelo en parle beaucoup. En parle beaucoup. Le passé parle. Quand le passé parle, le prophète qui est en Italie, qui m'a dit des choses, c'est moi. Ah oui, lui-même aussi, il en parle. Non, il en parle beaucoup même. Pourquoi il dit le prophète? Attends, la communauté. Mais au fait, moi je crois que. Quand... Ah bon, c'est la communauté? Non. Moi je crois que quand on est dans l'esprit, on se laisse guider par l'esprit. D'accord. Et puis, vous savez, le Seigneur a dit de la femme qui avait embaumé son corps de son vivant, qui avait versé le parfum d'un grand prix, le parfum des nards. Il a dit, partout où cet évangile sera prêché, on parlera aussi de cette femme. D'accord. Donc partout où l'homme de Dieu, Marcelo, prêchera, d'accord, chaque fois qu'il devra parler comment l'explosion, comment il a eu l'explosion de son ministère, il y a toujours cette prophétie qui reviendra toujours. Qui reviendra toujours que c'était comme ça. Donc, pas exploser le ministère Nebotama. Moi, je me sens privilégié. J'en parle, mais à la maison, avec mes enfants. Je suis associé à Dieu et Dieu me bénit parce que,
En fait, moi, je ne sois pas que ah, c'est le prophète qui a prophétisé sur Marcelo. Non, j'en parle pas. Et pourtant, papa, Pasteur Marcelo en parle souvent, même si ce n'est pas mon nom, mais il en parle. Vous connaissez mais, que c'est vous, en fait. C'est moi. Mmh. Alors, moi, je n'ai jamais parlé de ça. Sur le média, c'est la première fois, c'est l'accessibilité du Congo, okay, de l'Inga Congo. C'est la première fois que je parle que c'est moi dont il est question de cette prophétie. Mmh. Et puis, moi, je me suis toujours dit que c'est une bénédiction pour moi que Dieu m'ait fait participer à ce grand ministère qui est devenu planétaire. Donc, nous avons baillé Bingapeko. Voilà, donc Dieu m'a fait participer à ces choses. Bon, je me dis qu'à présent, il y a Pasteur Marcelo. Est-ce qu'il y a d'autres prophéties qui s'est réalisées? Maman. Au fait, mon qui monte dans les lots, il y a plein de prophéties. Hein? Non, on peut se battre combo. Ok, même si on peut te rappeler Jésus. Hein? J'ai l'âge, ça fait 35 ans que je suis dans la foi, okay, et plus de 30 ans que je prêche l'évangile à temps plein. Et jamais. Jamais bon yoga que professionnellement petit poto. Et pourtant je prophétise. Moi je suis pas un prophète qui prophétise de quantité industrielle. Chacun de nous a reçu un don. Je vais dire des prophéties. En 95, j'ai 26 ans. On atterrit à Milan avec le pasteur José de Regos que j'ai salué en passant. Puis on arrive à Milan pour commencer l'église. On atterrit chez un couple de papa Kokis et maman Guina. À cette époque, aujourd'hui, bah, comment va passer banananga, bon format. Donc, on arrive là-bas. Et puis, maman Guina était enceinte de 5 mois, 6 mois. Okay. Et ils avaient déjà 3 garçons à cette époque-là. Et l'échographie montre qu'elle doit accoucher encore un garçon. Maintenant, elle voit les serviteurs de Dieu venir chez lui. On a mangé chez lui à la maison. Chez elle à la maison. Après, maman Guina me dit, ah, papa, bah, le bique n'a pas de soucis, moi, je n'ai pas de soucis. Moi, je n'ai Moi, je vais encore accoucher un garçon et pourtant, moi, j'ai besoin d'une fille. Et puis, directement, je dis à maman Guina, je regarde maman Guina, je dis, non, non, c'est pas un garçon, c'est une fille. Tout le monde qui était à la maison était resté perplexe, y compris papa Kokis lui-même. Il dit, oh, qu'est-ce que tu racontes? Et puis, j'étais très mince, j'étais comme Samuel, comme ça, voilà, merveille. Donc, j'ai dit, non, 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 azamon à moi aussi. En lingala, la personne, non, azamon à moi, c'est votre maman à moi. Non, prophétisa. N'a prophétisé, puis n'a dit, non, azamon à moi aussi. Échographie sur le bac, mon bal, mais n'a pas de nom, n'a pas de nom. Et puis maman Guina me dit, si c'est vraiment, mon maman dit, mais si c'est vraiment mon amour aussi, paie sa combo. Ok. Si c'est vraiment une fille, donne un nom. Et puis je n'ai pas donné au. Elle s'appellera Jeanne. Parce que son petit Jeanne, son abote nous balle, mais non, nous sommes là, qu'est-ce que Jeanne, pourquoi ma Jeanne? Voilà maman qui est. J'ai dit, non, elle s'appellera Esther. Esther qui? Esther a mobile aux alaté. N'abie que non, elle s'appellera Esther. Ok. Et pour 9 mois, pas maman qui n'a accouché Esther. Ah bon? Moi n'aya moi aussi. Gloire à Dieu. Et puis moi n'entends la bombe à Beutami. À Kangama n'anga tiaso pour la Kangama. Aujourd'hui nous parlons. Esther a 2 enfants. Ah, c'est bien. Esther a 2 enfants. Qu'est-ce que je peux dire aussi de maman Rosette en Suisse? Maman a monanga. Elle s'est attachée à Dieu. Un jour, elle m'a vu prêcher. Elle avait 3 filles. Là, c'était 3 garçons. De l'autre côté, 3 filles. Elle dit qu'elle a eu des problèmes après son troisième accouchement de la fille. Et on lui a dit qu'elle ne peut plus avoir des enfants. La matrice avait des problèmes et tout ça. Elle ne pouvait plus avoir des enfants. Mais quand elle m'avait dit, je veux un garçon. C'est pourquoi Dieu ne parle pas comme les humains. Pendant presque 2 ans, moi, j'ai dit à cette maman-là, maman Rosette, que je n'ai pas de prophétie. Azo, ça m'a prophétisé, n'a pas de mambali, n'a prophétisé. N'a dit, maman, n'a pas de prophétie. Chaque fois, mon angaï, papa Samuel, n'a pas de mambali, maman Rosette, n'a pas de prophétie. Je n'ai pas de prophétie. Un jour, à Lucerne, j'étais en train de prêcher. Paf! Elle était dans la foule. J'ai dit, maman Rosette, l'année prochaine, à cette époque, tu auras ton enfant. Tu auras un garçon. Je suis parti, elle est tombée enceinte. Le médecin a dit que tu auras des problèmes, prends les médicaments. Il n'a pas pris les médicaments. Et puis, l'année qui est arrivée, maman Rosette a accouché un garçon. Emmanuel, aujourd'hui, a 18 ans. Maman Rosette est venue à Milan présenter l'enfant. Ils ont amené des cadeaux, des bijoux et tout ça. En fait, Nasakolaka. Maintenant, Nasakolaka, on est prophète, il y a les lotés qui ont une quantité industrielle. Il y a des prophéties majeures. Et ça, quand il y a passé, monsieur. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2,
Rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djunga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djunga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djunga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djunga. Non, mais c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, qu'il m'a fait un marathon sur la piste. La scène qui s'est là, qui s'est là, la 4e va rouge, va vivre là. Chef, banana la banane comme moi si inani. Chef, ici là. On m'a dit beaucoup faka. Oyo, 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 bisous que ça pour ma vie là. Oh, le coup la caisse en d'accord. Papa, on évite que laboratoire mais médecine et c'est la mission solution ou de cala. Solution. Ignorant, c'est un là ça. On m'a dit oyo. Signaliste suppositoire. Oyo. Signaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit désostéril. Oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi aider ma casse. Mais borax. Ce que c'est ce traitement nuance tout. Il y a hémorroïde. N'est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous papa. Ce qui est bon, on mesure les centimètres avant de faire. Pour nous, on mesure les sous-sous, on mesure les box, toujours champion. On comprend. La question n'est pas la question. On consomme si comme soutien à Congo, quand on a un laboratoire, mais à Missine. Et puis, et ça l'a mis dans le Congo. Dans le caca à Congo. Dans le soutien. Il y a Congo. Maman a conçu. Pas trop possible. Et on a des gens qui ont 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 des gens qui à pharmacie et puis dans sali ma master na niveau ya université Marie Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle dans ali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé na production ya ba phytomédicaments c'est-à-dire ba kisi ya partie ya ba nzete na biso ya Congo ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir bah essai toxicologique et puis bah essai clinique oh et ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude et puis bah qui si on est dans la CRMTA ils allent homologuer la ministère ya santé c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'avoir autorisation il y a mis sur le marché au niveau il y a Mboka et puis les bandes il y a Mboka bah qui si on est toujours produire la CRMTA. Et puis, pour le moment, dans n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres, c'est la mort de Bisso, na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a Bisso? Donc, il faut. Ah, voilà le laboratoire, mais ici, docteur Pichou Tonnelle, il y a des savants. D'accord. Ici là à Paris, quand je suis arrivé, il y a une femme qui était mourante de cancer. Elle a été guérie. Je parlais, elle a été guérie. Ici là, il y a maman, la femme de papa Pascal, notre maman, maman Frida, cancer des os. Oh là là. Cancer des os. Elle est venue à l'église. Je priais
avec l'onction d'huile à la présence de sa femme, de son mari. J'ai oint. D'habitude, je ne prie pas pour le maman comme ça. Mais ce jour-là, quand cette femme est venue, à côté de son mari, j'ai dit à son mari, enlève les chaussures. J'ai oint d'huile. Je les ai donné un programme de prière. Et le jour où je les ai dit, le jour où vous allez faire le dernier examen pour décider la chimio, appelez-moi. Et quand ils sont arrivés, au fait, j'ai dit le jour avant, appelez-moi. Le jour avant, ils m'ont appelé, je n'ai pas répondu. Dans le salon d'un côté, je n'ai pas répondu, papa Tracy. Je n'ai pas compris comment, pourquoi je n'ai pas répondu. Et le jour J, ils m'ont appelé, je n'ai pas répondu. Ils sont allés à l'hôpital désespérés. Ah, mais pourquoi papa prophète nous a abandonnés, tout ça. Au moment où le médecin l'appelle pour entrer dans la salle, pour faire les derniers examens, au moment où le médecin a eu le téléphone et le lingam na benki. Au fait, si le baka mouka, comment vous avez un membre, un effectif, un soutenant, un salapou, il est là. Tant que vous avez un bengé, le médecin a eu le téléphone et le lingam na benki. Nga na benki. Là, si bon, non, maman Frida, je vois le téléphone. Na bonde li. Na bikota. Mi kou a nous a souna malade on a été. Elle est entrée, elle est sortie. Elle est complètement guérie. D'ailleurs, il faut que Samuel puisse monter ses témoignages et puis donner ça à papa. Donc, il y a des témoignages. Maman Frida viendra et l'engue à Congo. En fait, je prophétise. Mais le problème aujourd'hui, maman Glody, est que les lépreux sont en ville. Et ceux qui sont en bonne santé spirituelle, même moralement, sont dans la brousse. Okay. C'est ça l'envers de la médaille, en fait. Donc, le lot, bah, les prennent des moutons en vogue. Mais bah, tout ce qui est en bonne santé morale et spirituelle, tout ça, la zamba. Tout ça écarté. Bon, on est des gens baptistes, on doit l'accepter parce que tant que vous avez un sauterelle, un miel, au linganana, un bâtonnier, un souterre, tant que vous avez un poussoignier, au kokona bato balata, ba Versace, ba Louis Vuitton, donc, bisous, toi, tout là, t'as un poussoignier. C'est pourquoi c'est un peu difficile pour nous tous à la en vogue. Quoi. Vraiment. Merci beaucoup, Papa Samuel, toujours qui est malé, même pour la cochuter. Par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à la mort de Maman Blanche, qu'est-ce que nous, Dieu, bah, chrétiens, nous sommes dans l'église de Christ. Et qu'on côté à Nini, qu'on peut retenir nous concernant la crainte de Dieu, Maman. La crainte de Dieu, Maman. Moi, la parole, quand j'ai vu ma femme effondrer, je l'ai rassurée. La phrase qui est sortie de ma bouche, oh, Seigneur, est-ce qu'on est pris en sécurité? En fait, on a pris la bangue quoi. En fait, moi, c'est ça la phrase que j'ai dit. Seigneur, est-ce qu'on est plus en sécurité ou quoi? Parce que ce sont des gens qui te servent, qui sont là. Je m'en fous de ce que les gens. Ah, est-ce qu'on y a mis bango? Est-ce qu'on y a mis vidéo à cela qui n'a pas un boule là? Est-ce qu'on y a mis bango? Est-ce qu'il y a mis bio? Si on s'arrête seulement, est-ce qu'on y a mis monter bazo? Mais chacun de nous, moi j'ai le témoignage de Dieu qui va au sein de l'ensemble. Et ce que comme les bangos, et comme la montagne surtout. Et puis j'avais dire quelque chose, papa Tracy, retenez ça, c'est très important pour la communauté. Aux hommes de Dieu, arrêtez de prophétiser sur la mort. Le prophétie sur la mort, au fait, ce ne sont pas des prophéties. Ce sont des souhaits. Parce que la mort, c'est la seule chose qui est sûre. Tu ne peux pas prophétiser qu'on a battu beaucoup, il y a des milliers de pasteurs. Et la mort peut attraper un enfant, la mort. À moins que tu nous dises que non, le 25, 8e mois, à 10h, il y a une femme qui va mourir. Il y a un homme comme ça qui va mourir. Mais dis c'est ma quand je vois mourir. Même que les gens meurent aujourd'hui, même que tu n'es pas malade, arrêtons ce genre de prophéties en fait. Parce que les locaux sont surtout à Tamboulaganango. Nous tenions surtout à Tamboulagana Liwa. Donc d'accord, nous sommes en Liwa et Koko m'a souhaité. Et j'en ai balle perdue. Alors ce qu'on t'a confié, on est un tel. Balle perdue. Oui, ça va balle perdue au fait. Alors arrêtons des balles perdues au fait. À moins que aux Isaïe, au Kepi n'a pas Ezekiel, je sais que nous avons Babisinga, aux Okufa, Siko Yawa, aux Okufa. Ezekiel, c'est ça que Ezekias, Ezekiel, Malachi, Té, Babigaga, Ezekias, c'est Ozokoufa. Précision. Précision. Vous voyez la prophétie, vous voyez la prophétie. Mais quand notre va dire, oh, bah, passez mon Bobakoufa à Paris. Oh. Mais il y a beaucoup de pasteurs. On a la rue, on a. Mais en fait, il faut qu'on arrête ça, en fait. C'est ça. L'Iwa, il y a Maman Blanche. Ça doit seulement nous interpeller d'avoir seulement la crainte de Dieu. D'avoir la crainte de Dieu que rien n'est sûr sur cette terre. Et puis la mort peut venir à n'importe quel moment. Ben oui, donc
La seule chose que je peux dire, la crainte de Dieu, mais l'argent toujours est là, l'argent toujours est là, pouvoir. Au yako ça là-bas, vie, aux gens là-bas abonnés, aux yeux abonnés, la chaîne, au finga batou, au loka batou, au lobe batou mabe et tout ça. Mais ça sert à quoi après? Maman Blanche avait tout. Presque quoi, pour ne pas dire tout, baza ba Elon Musk était, mais en tout cas, côté à la pa ba outa qui et pas ba commis de l'eau, maman Nanga et Glody, pour dire que ben, ça va. Donc, ils avaient ce qui est nécessaire, dans mon ah, baza la qui n'ango, mais, bati qui n'ango. En fait, tout ce qui est yo, je vais apparaître, je vais Louis Vuitton, la lignes à la plus que prophète est tel, la lignes à la maman, moi vraiment, ça fait un. Des années déjà, je vis une vie vraiment réservée, des consécrations aussi. Mais ça fait aussi des années que j'ai décidé vraiment de tout. Moi, j'étais quelqu'un qui s'habillait trop bien. Moi, quand j'arrivais ici à Paris, il m'appelait prince. Mais un jour, Dieu me dit, joie garde-robe, nous surtout. Ma tête de lapidus, ma Versace, ma Nini. Ça me dit, joie, mais l'eau qu'on a pêché en église. Ça fait plus de, ça fait plus de 25 ans. À Milan. Dans la garde-robe, il y a surtout Bilamba. Tout. Ma tête de lapidus. Bilamba. Parce que je m'habillais comme ça. J'étais très spirituel. Toujours comme jusqu'à aujourd'hui. Mais je m'ai m'habillé. Je m'ai vraiment m'habillé. Les gens, Bayebi. Dieu m'a dit, Zouamo. Ça fait presque 30 ans que tu as bijouté. Nazaka na ba bijou donc nazaka na gourmeta munene bag mugo ya munene nazaka na chenette moka munene awa donc na medaille ya munene awa donc tant na ba noter na mina ba pa pourquoi la ki saka ba bijou ba ni na longola ba bijou na pesa na église na se débarrasser bijou ça li soumouté. En fait j'ai pris le goût de rester naturel en fait. Même mes cheveux, moi j'étais quelqu'un qui se coiffait tout le temps. En fait, on doit arriver à un niveau où même l'apparence là, tout soit le minimum. Est-ce qu'on est dans la salité? Non, très bien. Très bien. En fait, tout coûte le minimum. Hein? Devenez un peu simple, soyez dans le minimum, dans le nécessaire. Ne me donne pas beaucoup que je ne manque pas non plus. Mais donne-moi ce qui est nécessaire. La crainte de Dieu, nous vraiment, va tout le va retenir, et surtout l'église corps du Christ, parce que le cambo est frappé, touché. Dans le discours, il y a pasteur Marcelo et puis ton moni en opéli. Ouais, maman planche sangisi. Parce que ça, l'anzam, mais n'a pas eu un canac. Sangisi, c'est une réconciliation. Hey, c'est pas une réconciliation. Non, non, non. Moi, je ne crois pas du tout à ça, quoi. Comment je ça pas. Je crois que ça fait un exemple. Ton moni, au prophète Joël Francis, t'as tout. Parce qu'il a un solo la tête, là, papa Marcelo. Mais mon moment est déjà hier, il y a un bali baléli. Moi, je crois, c'est l'humain. C'est ce que j'ai aimé au fait. C'est l'humain. L'humain a fonctionné. Or, ce qu'on a vu là, Bonzamba, c'est l'on dit à moi en fait. Mais malheureusement, tant que tu as un don spirituel, rendez vos ongles. Ah ouais? On doit garder l'humain. Parce que on voit des photos, Tatou et Marcelo, apparaît-il, ils étaient des séparables. Ils étaient des franchins. Tu vois? Quand on voit des photos, ils étaient très jeunes. Mais à l'ensemble. Et puis la communauté, donc nous autres, on est dans ces histoires-là aussi. Donc, en fait, moi je souhaite qu'ils aient la bombe, mais malheureusement, je suis pessimiste. Je suis pessimiste parce que on est. Ah, c'est difficile. Moi, tout ce que je peux dire, que je bénis Dieu parce que notre maman a été honorée. Et ça, c'est déjà un point positif. Elle a été honorée. Et même si. Pour mes compresseuses, à la que tout ça. Et moi, je trouvais ma jolie, très bon, comme on a tatou avec son frère Marcelo. J'ai vu aussi le passé, Moïse Mbi est là-bas, et tout ça. Moi, ça m'a fait vraiment du bien. Mais malheureusement, on ne doit pas te faire des illusions, en fait. Donnons le temps au temps pour voir si vraiment c'est vrai. Et Zabon, et réconcilier, Batou. Voilà. Peut-être que la maman Kundami, après, rendre aux hommes, est-ce que. Bah intérêt au prévaloir tel Nicolas y a bah affection de maman tous en ango malheureusement parce qu'on est devenu tellement individualiste et tout ça. Bon, en tout cas moi c'est ce que je dis, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il croit et qui croit ce qu'il dit. Je ne crois pas encore que c'est vraiment c'était la réunification et tout ça. Non, moi je crois que il fallait vraiment battre Bazala wana, il fallait tatou, ne pouvait pas manquer quand même, hein. Tatou connaît maman blanche, il parlait l'autre, donc il est humain à vos enfants de fait.
et moi je salue aussi vraiment Joël Tatou du fait que vraiment il était là. Et puis le dire le bio c'est là quand moi matin à tes réconciliation et au salama. Voilà. Pour éviter bah, mais en tout cas c'était bien. Mais moi je suis pessimiste au fait que aujourd'hui voilà tout est redevenu normal. Je suis encore pessimiste mais en tant qu'un homme de foi, j'ai dit gloire à Dieu ce qui s'est passé et je souhaite que ça continue comme ça, que ça, ça avance comme ça. D'accord. Merci beaucoup, Papa Samuel. On est arrivé presque vraiment à la fin de cette émission. J'aimerais que, si ça vous arrangerait, de donner un verset biblique, la bataille sur la livre, comme c'est dimanche, la m'suba zwa pena, pas kamelo, comme on a monté, et puis que c'est ça la prière avant tout le cabana. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que tu as oublié la connaissance, je vais te oublier et je vais te ôter de mon sacerdoce. Il est très important de comprendre que Dieu veut que nous puissions le connaître. Mais connaître Dieu demande beaucoup d'humilité. Si on n'est pas humble, on ne peut pas connaître Dieu. Entrer dans la connaissance de Dieu, ce n'est pas étudier la Bible matin, midi, soir. Ce n'est pas ça connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est disposer son cœur pour Dieu. Être humble, de dire comme Samuel avait dit dans le temple, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. On doit redevenir des disciples pour apprendre du maître. Il est très important de revenir auprès du Seigneur. Et comme notre fille nous a prêché aujourd'hui, il est très important. Parce que tout le temps, la Bible est toujours dans l'église. Parce que tout le temps, l'église est toujours dans l'église. Il est très important que tu aies contact, la connaissance dans l'église. Osée 4, verset 6. La connaissance avec Dieu ne vient pas par les études, vient par la foi. On n'étudie pas Dieu d'abord. On le croit, après on peut l'étudier. Mais si on veut étudier Dieu pour le croire, on devient athée. Nzambe batanga kayete. Nzambe bandima kayena. Poma manzambe za folie. Ondimie nan tango ndimie boye biwane koye la yo et ko memela yo humilité. Mais ceux qui yo nan ondimie non nzambe te. Olingi oyé banzambe. Tango yo oyé banzambe wana pondimezate et robote la incrédulité. Donc on a besoin de la foi en Dieu pour que la connaissance ne pousse pas nous à enorgueillir, mais que la connaissance puisse nous amener à l'humilité. Parce que la connaissance, selon le monde, enorgueille. Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissances. On a l'impression qu'il y a beaucoup de connaissances aujourd'hui. Mais en réalité, l'Église a perdu la connaissance de Dieu. Tout ça, dans l'Église, mais tout le monde a souillé sous terre. Tout le monde a pasteur, tout le monde a prière, il y a retour à l'expéditaire, feu. Mais Zambé, tout le monde a souillé. Ce peuple m'honore de la bouche. Et son cœur est loin. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous garde encore longtemps. Merci à tous qui nous avez suivis. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être à côté de l'homme de Dieu. C'est une bénédiction. Bienvenue sur la Dibisso, vous tous qui nous suivez à la maison. Ce vendredi, il y a une grande veillée de prière. Noisy-les-Grands, Novotel. Une seule adresse. Venez nombreux, bananzambe, voyez belé, bande composant avec souci, maladie, macamé belé, macamézo simbaté, venez, on va prier. Moi-même, je serai là. Dieu là, parle, maman. Oui. Dieu parle encore jusque de nos jours. Nous avons mis ça va cancer A. Oui. Nous avons mis ça va tout. On n'a pas seulement prophétisé sur le passé, Marcelo. Non. On prophétise sur beaucoup de choses. Et surtout, on continue de prier, parce qu'en priant, il y a des miracles. Voilà. Moi-même, je serai là. Venez, je vous invite en tout cas. Et tous les dimanches, on est là de 10h à 13h. Voilà. Un grand merci à Christine Delena, merci à l'assistante des merveilles, merci à la grande famille Panzou. Bayambi, bisous, 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 merci beaucoup. Tous les enfants de la montagne de la prière, en tout cas, pour partager, aimer toutes les prédications, horaire nuance pour partager. Parce que la vidéo partagez parce que toujours évangéliser en même temps. En tout cas, merci, restez branchés, côté sur Lenga Congo. J'aurai encore à recevoir Papa Samuel Panzou prochainement. Au revoir. Attends.